Salut tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode de Minecube et bienvenue au musée international du continent de Jeff Harvick qui est pas construit. C'est. C'est. Je savais plus trop quoi construire et puis en fait je me suis dit qu'un musée c'était sympa. Et puis, donc là, je vais commencer, enfin, je vais faire vraiment la base, puis ça va me permettre de discuter un peu, parce que bah, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo de Minecube. Il y a une bonne raison à ça. Si j'ai pas pu, c'est que j'étais pas en l'état. Crois que je suis déjà en train de me Attends, ouais. Je suis en train de me planter dans mon truc. Zut. Oh purée. On va pas le faire ça. J'étais pas. Je pouvais pas, j'étais malheureusement malade. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Mais pas. Pas le petit rhume habituel et voilà, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc du coup bah voilà j'ai pas pu faire grand chose et en revenant sur le serveur je me suis rendu compte que bah, a priori je suis pas le seul à avoir pris une pause parce que y a absolument pas de vie sur le serveur et là je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire Si, c'est ça. Voilà. Il commence déjà à faire nuit, t'es sérieux? Donc là, bah. Voilà, en fait, je savais plus trop quoi construire. Enfin, j'avais une idée, mais le projet était trop important. C'était quelque chose qui était un petit peu trop gros pour moi, qui allait prendre beaucoup de temps et j'ai pas autant de temps que ça pour le moment. Donc bah je me retiens pour l'instant de faire ça. Je crois que ça devait être... Non, ça devait être 3 ici par contre. Hop. 3. Voilà, c'est ça. Je vais me coucher. Donc j'ai pas trop le temps pour faire un projet qui est vraiment énorme. Donc un musée pour c'est plus facile. Je peux prendre un peu plus de temps pour m'en occuper. Et puis je pensais que ça pouvait être intéressant parce que pour l'instant. Même si ça fait déjà un petit moment qu'on a démarré sur le serveur et qu'on a commencé à faire des trucs. Il y a un squelette qui est en feu là. Eh ben, on est encore qu'au début et je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire. Donc, pourquoi pas faire un musée qui va. Wow! Tu sens que c'est pas éclairé là, mon bordel, hein? J'ai pas de flèches. Oh si, j'ai des flèches. Alors. Voilà. Donc, je me suis planté. Eh oui, je me suis planté. Oh. Ne dis pas que je les ai attirés, hein. Ça va crever. Non, je me suis un peu planté là. Hein. Normalement, tout ça c'est censé être ouvert, au moins ici. Si en plus je fais pas gaffe à comment j'ai fait mon plan alors que je l'ai fait tout propre comme il faut, ça va pas le faire. Donc du coup, c'est ici.
village. Merci. Et ici. Voilà. Donc, bah, c'est vrai qu'on on veut. On a envie de faire. Bah, de faire l'Ender Dragon. De faire aussi le Wither. Moi, ça fait pas hyper longtemps non plus que je joue à Minecraft. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité encore de faire d'affronter l'Ender Dragon, d'affronter le Wither. Et bah, j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. J'ai envie de m'amuser à faire ça. Et donc voilà. Alors, du coup, ça me change complètement ça. Et du coup, ça doit pas donner ça. Hop. Ça doit donner plutôt ça. Voilà. Et ici, ça doit pas donner ça. Ça doit donner ça. Oh là là là. Voilà. Et puis, j'espère aussi. Ça, c'est un autre point de vue, par contre, que. Comment il fait mon bordel? Ah oui! J'espère que ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui! Ça y est, je me souviens. Donc. Pouch, pouch, pouch. Hop. Alors, du coup, ici, ça va vraiment être comme ça. Ah bah non. Deux. C'est bien ce que je pensais. Non, c'était propre. J'ai fait quelque chose de propre. Et ici, par contre, il n'y aura rien. Voilà. J'espère que ça va redonner vie au serveur parce que bah a priori moi ça fait facilement je dirais 2 semaines que je suis pas venu et donc là je suis revenu bah pour voir un peu l'avancée du truc et a priori en tout cas ici je vais pas dire pour Monsieur Potato parce qu'il a fait sa base un peu ailleurs en tout cas ici il y a absolument rien qu'à changer depuis que je suis parti. Qui me rend un poil tristounet, mais bon. Donc voilà, j'espère que reconstruire un peu dans le coin, ça va raviver un peu tout le cirque. Et voilà. Alors, comment je fais mon truc, moi? Comme ça, comme ça. Et là, je suis reparti pour faire un mur. Donc là je fais juste la base parce que voilà. Parce que je sais pas encore je me suis pas défini la hauteur. J'ai juste défini le contour de tout mon musée. Donc en fait, il y aura donc là-bas il y a l'entrée avec une salle principale. Là en fait, là où je me suis un peu zigouillé dans mon truc, c'est en fait il y aura deux petits couloirs qui vont amener sur les côtés. On pourra pas accéder au milieu, il faudra passer par les côtés pour accéder donc à combien il y aura deux salles sur chaque côté, une salle centrale à l'arrière et au milieu une espèce de on va dire de poste sécurité, poste central qui aurait comme dans un musée. En fait, je me suis inspiré d'un jeu que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et que je trouvais vachement fun. Qui a vraiment, vraiment, je me suis vraiment énormément amusé dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, oui, voilà. Et que j'aimerais d'ailleurs beaucoup rejouer, parce que c'est vrai que c'était vraiment sympa, c'est PD2.
que j'ai fait, que moi je fais sur PS3, je faisais avec des potes. Et vraiment le jeu où on s'est plutôt bien fendu la gueule, le jeu en soi il est un peu creux, il est un peu vide, il n'y a pas, il se passe des choses chez moi là, c'est violent. C'est un jeu de braquage en fait. On te donne un lieu, on te dit faut que t'ailles braquer ça ou ça, et puis tu te débrouilles. Et comment ça se fait que ça marche pas mon truc là? Suis pratiquement sûr. Pourquoi j'ai remis 3 ici? Sérieux, dis-moi pourquoi. Ah, c'est dur de parler et faire en même temps, hein. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ici. Donc voilà. Et en fait, sur PD2, il y avait une mission qui consistait à braquer un musée. Donc le musée, il avait la forme là, en fait. Je leur fais pas exactement au niveau du style, du décor, les blocs que j'utilise, ils ressemblent pas à ceux qui sont utilisés pour le musée. C'est juste, dans le global, c'est à ça que ressemble le musée dans le jeu. Et en fait, c'était une longue mission, elle se faisait en 3 parties. Il fallait. Alors, je me souviens plus très très bien de tout. Je crois qu'il fallait d'abord le premier, c'était le musée. Il fallait voler des. Non. Non, c'était même pas ça. Fallait se. Oh là là, je me souviens plus. Il fallait voler les tableaux. Après, il fallait les donner à quelqu'un qui était en hélicoptère pour récupérer le pognon. Oui, voilà. Et après, le pognon, il fallait aller le sécuriser pour aller le remettre tranquillement dans sa cache. Et le musée. Oups. Le musée était super compliqué à faire de façon propre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas du tout là. 3, 3, 2, 2. Purée, là ça devrait être 3. C'est pas vrai! Je peux pas parler et faire en même temps, c'est terrible. Du coup, 3. Là, ça devrait être 3. Oh, voilà. Ah, purée, ça fait. C'est déjà mieux, hein, là. 1, 2, 3. Et là, faut que j'aille rechercher mon truc. Et en fait, donc, le musée. Et je l'ai fait 3-4 fois la mission avec mes potes. Et ouais, c'était super compliqué. Et comme ça, on dirait un Weezer. Alors que, bah non, il n'y a pas de Weezer ici. On voit mon armure qui flotte dans le ciel, là, c'est génial. Et il commence à faire nuit. Donc, je vais récupérer de l'andésite. Alors, je profite, hein. Ça, c'est un système de triage qu'a fait. Qu'a fait le touriste et qui est plutôt utile. Il y a juste, je pense qu'il verra la vidéo, il y a juste une couille dans le potage, et qu'a priori il y a de la terre qui s'est glissée dans les premiers coffres. Je sais pas pourquoi. Donc s'il te plaît, close-e, reviens sur le serveur et essaye de fixer ton triage, parce que je sais pas pourquoi il a merdé. J'ai pas envie de me mêler à son truc. C'est peut-être à cause de ça en fait. Eh oui, je crois que c'est à cause de ça. Normalement, tous les trucs là, ils devraient être allumés. Enfin bon, bref. Faudrait que tu reviennes. Il y a un truc qui s'est passé avec ton engin. Donc moi, je reviens à ma petite histoire. En fait, fallait faire le. Voilà. Fallait faire. On peut faire le cambriolage de façon propre, donc sans se faire repérer par tous les gardes, et puis
partir comme si de rien n'était. Et il y a la façon qu'on a fait, c'est-à-dire la façon on bourrine dans le tas, on tue 1400 flics pendant qu'on s'enfuit, et puis on se la paie. Et le musée, c'était une horreur. Parce que le musée, normalement pour s'infiltrer de façon sans se faire repérer, il faut passer par le toit. Ensuite, normalement, il faut passer par une petite ouverture. Il y a une fenêtre sur le toit qui est censée être ouverte, qui mène à une statue qui est bâchée. Donc normalement, tu sautes de la fenêtre sur la statue bâchée. Comme ça, t'évites de démarrer les alarmes. Tu arrêtes les gardes de la sécurité dans le musée. Enfin, c'était pas facile. C'est pour ça qu'on l'a jamais fait d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, je trouvais que le musée était sympa. Il y a la, enfin, la banque, c'est un peu redondant. Enfin, le jeu en lui-même, vite, tu tournes vite en rond quand même. Parce que y a pas tant de missions que ça. Enfin, on te met une énorme carte de la ville, on te met des points partout avec des bijouteries, des banques et tout. Mais en fait, c'est toujours exactement le même. C'est exactement le même plan à chaque fois pour. C'est exactement le même plan pour toutes les banques et pour toutes les bijouteries. Il y a juste parfois. Oups. Une ou deux variations dans le. Ah, ma pioche est trop efficace. Une ou deux variations dans le plan de la banque. Et du coup, voilà, c'est pas. Et je me demande réellement si ici je devrais pas faire comme j'ai fait. Deux. Bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je suis bête. Deux. Ah, ici j'ai. Non, 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 non. Normalement, je suis censé revenir ici. Oui, voilà. Normalement, je suis pas censé avoir le bloc là. Voilà. Alors, je vais faire mon truc tout propre. 1, 2, 3. Oh, purée. Voilà. C'est quand même bien mieux. Hop. Après, il va falloir que je m'attaque au plancher. Ça va être une autre histoire. Parce que le plancher, je veux pas faire. Je vais pas faire un plancher identique pour chaque salle. Je vais varier à chaque fois. Donc j'ai déjà. Deux, trois idées différentes pour le plancher que je vais faire. Alors là, il faut que je fasse à nouveau mon truc. 1, 2, 3. Non, j'ai tout pile ce qu'il faut. Oh yes. Eh, si ça, c'est pas beau. Franchement. Ah non, il me manque un détail. Oh non, j'en ai même pas du tout assez encore. Là, j'ai fait que le contour. Bon, je vais faire les murs de mon côté, puis je vous retrouve après pour faire au moins le plancher. Je vais faire au moins le plancher de la salle principale. Voilà. J'ai fait le contour de mon musée. Donc on peut voir à peu près ici ce que ça donne. Donc pour l'instant j'ai juste fait alors pour la première salle j'ai fait deux blocs de haut. D'ailleurs je me permets de voir que ici je devrais pas mettre parce que ici il y aura un couloir qui va permettre d'accéder à l'aile droite. Pareil de l'autre côté pour l'aile gauche. Et après pour la hauteur bah pour l'instant donc je suis pas trop sûr de ce que je vais faire.
Je pense quand même que ça va être quelque chose d'assez haut, mais je sais pas, je suis pas encore certain de la hauteur que je vais être, que je vais donner au musée. Mais pour l'instant, je vais m'intéresser au sol de ma salle principale. Alors, faire un sol, c'est quelque chose finalement qui est assez compliqué. Parce que on peut faire des trucs qui sont super simples, faire un sol en uni, faire un seul bloc pour faire tout le sol. Mais finalement, ça rend les choses un peu tristes, un peu simples, quand on a envie de rajouter un peu de décor, un peu de détail. Voilà. Et pour faire un sol qui a du détail, bah finalement, c'est pas si compliqué. Il faut juste donner un motif. Souvent, c'est quelque chose qui est assez simple. Genre un damier. Le damier, c'est sans doute le motif qui est le plus simple pour faire un sol. Et c'est quelque chose qui rend super bien. Donc là, en plus, moi, je me complique la tâche. Donc, c'est que ma salle, et toutes les salles d'ailleurs, sont en nombre impair. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un mur qui fait 13, 13 de côté. C'est tous des carrés. Donc, j'ai 13 de côté. Et c'est vraiment pas simple pour faire un motif, parce que finalement, pour faire des motifs simples, il vaut mieux avoir un. Comment dire? Vaut mieux travailler en nombre pair pour avoir quelque chose de bien équilibré. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, ce serait essayer de travailler en nombre pair. Parce qu'en nombre impair, c'est pas facile. Là, j'ai réussi à trouver à peu près quelque chose qui me plaisait bien. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre du dark oak. Et en fait, avec le dark oak, je vais couper ma salle, et en coupant ma salle, je vais rendre quelque chose qui est pair. En fait, voilà, si je la coupe de chaque côté là, ici, et ben les deux carrés qui se trouvent là, qui sont pour l'instant de terre, ben ces deux carrés pairs qui font 6 blocs de large. Et dans ces 6 blocs là, c'est là que je vais insérer mon motif. Là, je vais insérer un motif en. Je vais juste alterner mon dark oak et mon oak. Je vais juste rajouter une petite nuance, juste en rajoutant un bloc. Je vais pas faire vraiment des lignes. Je vais juste, voilà, rajouter un seul bloc pour rajouter un peu de détail. Voilà, tout simplement. Parce que des lignes, oui, c'est quelque chose qui est assez joli, mais bon, voilà. Je me suis planté. Et si je me mets là, voilà, et pas tout de suite. Voilà, c'est quelque chose qui a un peu de tronche. Alors, voilà, ça fait des W, ça fait des Wario. Après, ce qui est pas forcément très très joli, c'est que là, ça s'arrête sur un bloc de Dark Oak. Là, ça s'arrête pas sur un bloc de Dark Oak. Peu dommage, peut dire, mais bon, allez, pourquoi pas. Je me plante complet. Voilà. Mais ça fait un décor simple. En fait, je réserve un décor de damier pour une salle plus tard. Parce que je pense que forcément à un moment il faudra que je fasse un damier. Parce que je serais peut-être à court d'idées. Et pour le damier, j'ai pu voir une idée sur internet qui me paraissait vachement, vachement sympa. Pour rajouter un tout petit peu de détail à, voilà, à un sol qui est en damier. Alors, hop. Ah, vais avoir du mal, hein. Ça fait deux côtés déjà de fait. Voilà. Hop. Voilà. Ça va rendre quelque chose de tout joli. Et ça me plaît d'avoir fait quelque chose qui soit plutôt joli.
Parce que je me considère pas très très bon en construction. Franchement. Donc là, faire un truc qui est comme ça, franchement, je trouve ça pas mal. Là, je suis fier de mon sol. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans chacune des salles. Parce que bah pour l'instant, on n'a pas forcément énormément de. On va dire de souvenirs mémorables sur le serveur. Donc pour l'instant, le musée va être assez vide. Mais il sera dans un bel écrin. J'utilise des mots compliqués. J'aime bien les mots compliqués. Ouf, voilà. Je viens de faire le bonhomme de Minecraft qui prend des dégâts. C'était magnifique. Et voilà. Ah bah attends, attends. Non, 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 non. Eh. Rajouter du détail, c'est important. Hop, voilà. Je pense que là, c'est encore mieux. Regardez. Ah ouais. Là. Là, ok. Là, ça a de la tronche. Voilà. Donc ça. Ce sera la première salle du musée. Donc, je pense que déjà, bah de mon côté, il va falloir que je m'occupe un peu d'augmenter mes murs. Donc, il va falloir que j'aille chercher beaucoup d'andésite parce qu'on en a déjà pratiquement plus. Et a priori, j'ai besoin d'une tonne. Chercher du dark oak aussi. Et puis, bah, la prochaine fois, je pense qu'on s'occupera de continuer les. De continuer la progression du musée, je pourrais faire le sol des prochaines salles. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Il se passe pas grand-chose, hein, ça va être. Là, je vais faire beaucoup de construction maintenant, construction du musée. Donc, si jamais vous avez des idées des idées de sol ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires en dessous de la vidéo. À liker ou vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour la suite des épisodes et des aventures sur Minecube. Merci tout le monde. Salut!